depuis la montagne. Non, mais il faut être connecté sur le jeu aussi, hein. Ouais. Tu vas à la montagne? Ouais, je peux heureusement. Bah oui, J'ai bien peur aussi. sûr. Tu vas dans les Pyrénées? Ah, en fait, Ouais. j'ai trouvé l'origine de mes 54. pages bleues Windows. Ah ouais, c'était quoi? Mon Alim. Ouais, je peux Bah heureusement. Il voulait oui, pas assez vite, bien sûr. Ouais. Tu vas dans les Pyrénées? Ah, en fait, Ouais. j'ai trouvé l'origine de mes pages bleues Windows. C'est mon alimentation, en fait, qui merdouillait. T'as le hamster qui était plus nourri, en fait. Non, je sais pas, c'est la chatte qui est mal nourrie. Non, non, c'est la chatte qui a bouffé le hamster. Pourquoi vous parlez de hamster? Le Parce qu'un hamster qui hamster. Hein. pédalait pour l'alimentation. Putain, t'es long à comprendre. Je crois que c'était encore en rapport avec Kane. Tu sais, c'est encore comme du temps des Chinois qui pédalaient pour avoir l'électricité. Maintenant, c'est la belle-mère. L'esprit maléfique. Encore après, si c'est acheté un taser, en cas où la belle-mère elle elle aura va un coup assez de vite. c'est si jamais elle avait un coup de Pour écraser la rébellion. Et du coup, l'alimentation, elle est merdée, c'est à cause de l'AMD, ça. C'est à cause de l'AMD Radeon, ça peut être des... Ah oui, forcément, oui, c'est plus que ça. En même temps, Brebs, il avait aussi connecté un gris-col à son alimentation. Ah bah, s'il connecte tout et n'importe quoi aussi. Quand, lui, quand il disait que son PC il faisait tout, il mentait pas, quoi. Il a branché sa Renault Zoé aussi. Oula, mec, vraiment, mais arrête les blagues, gros, ça va pas, là. T'as quoi? Sa Renault Zoé, mec. Ah, c'est parce qu'il sait que je m'appelle Renault, c'est pour ça. Ah bon? Non. Bah, il s'appelle Renault François. Ah ouais, bon? Non. Oui, il s'appelle Renault, mais même c'est nul comme blague, mec. Oh la double valve. Les gens, ils inversent pas souvent ton nom et ton prénom, bref. Ah, j'en ai déjà eu des bonnes à ce sujet-là, oui. Oui. Une fois, drôle, là, tous les anciens de l'EFR cherchent des gens pour faire des 1v1. La meilleure que j'ai eue, ouais, celle-là aussi j'ai l'habitude, hein. Elle est dégueulasse, elle est nulle à chier. Ta gueule. Cordialement, non, ta gueule là. Oh non, mais franchement. J'ai connu pire. Oh là. Celle-là était tellement facile. Oui. Ah. Que je l'ai pas fait. Oh, j'ai bien fait pas de Et au fait, Bebe, t'as réussi à vendre tes pièces? Et bah ouais, les pièces de 106 là, ou 306, je sais pas trop quoi. Moi, une fois, j'avais été dans une pizzeria, j'avais commandé ma pizza comme d'habitude. Puis, arrivé devant la caissière, elle me dit, je peux avoir votre nom et votre prénom? Alors moi, je précise, je dis, mon prénom c'est Renaud et mon nom de famille c'est François. Puis je la vois qui bloque sur son écran et puis elle me regarde, puis après elle fait, vous êtes sûr que c'est pas l'inverse, monsieur? Et là je me dis, et je lui réponds quand même, je sais quand même la différence entre mon nom et mon prénom. Ah bon? Voilà. Mais c'est la meilleure que j'ai eue à ce sujet-là. Mais c'est parce qu'elle croyait que c'était Renault LT. Ouais, on voit ça aussi pareil, je suis habitué. Et le pire, c'est que je suis chez OVH depuis un certain temps maintenant. Et ben, ça, le hasard fait toujours bien les choses. Il y a un deuxième Renault François qui vient d'arriver. C'est François Renault. Non, c'est pareil. Prénom Renault et nom famille François. Et bah, je suis pas dans la merde parce que du coup, je reçois des mails que je suis pas censé avoir. Et c'est bien. Bah, si tu pouvais recevoir le chèque qui va avec aussi. Ah oui. Là, oui, vu que c'est un team leader, oui, j'aimerais bien avoir son chèque. Mais tu m'étonnes. En plus, même si c'était un mec, tu sais, avec le même salaire que toi, mais le recevoir deux fois. Ah, oui, sais, oui, bah oui, c'est sûr, ça, ça m'aiderait bien. Franchement, essayez. Dites-moi, monsieur Renaud France, vous auriez perçu mon chèque par hasard. Ouais, voilà, comme d'hab, c'est pas possible ça. Ah,
Vitesse extrême, hein, Didib. Je suis passé à côté de Didib, tu sais que c'est 134-85, il est en train de faire des avant-arrière pour essayer de kite un Sturer Emile, moi je passe à côté. À côté, j'en chie avec mon Sturer, avec mon, comment dire, mon Waffen Trager. Faites pas attention à moi. C'est déjà le cas. Non, je suis pas vexé. Non, ça touche pas ces genres de trucs. Mais t'es pas mort, toi? Ah ouais, je suis bel et bien en vie. Mais non, mais j'étais en train de tirer sur un T-54. Je me cache, et puis là, je vois assistance, et puis un mec qui tue un T-54. Du coup, je sors pour voir s'il est vraiment mort, et il me tire dessus. Ouais, j'ai un problème de type. Il est bizarre, mon panthère. J'ai sélectionné le panthère, il m'a fait spawner avec mon Osvin. Pourquoi? Avec mon Osvin. Ah, Ostvin. Non, Osvin. C'est bon, ça veut dire Queen modeste, hein. Ouais, mais je trouve ça plus drôle que tu reprennes, au moins ça te fait chier. Moi je m'en bats les couilles. Non, parce que c'est super chiant à dire, Ostwin. Non, moi j'aime bien y dire Ostwin. Ostwin. Comme Wimbelwing. Ouais, non, c'est Virbalvir. C'est plus facile à dire avec des V qu'avec des Wind. Arrêtez d'essayer de parler, ça ira mieux. Wind, enfin le son avec le W, je trouve méga chiant à faire quand t'es. Attends, oui. Arrêtez d'essayer de parler, ah, c'est pas possible, bref. Y'a pas de mode emploi pour ça chez moi. Virbelwind. C'est marrant. Non, Virbelwind c'est mieux, je crois. Enfin, bon, bref. Bah, faudra demander à un allemand. Non, mais je fais allemand depuis 10 ans, mec. Yes, 2 critique, Didib. Mais un allemand qui habite en Allemagne. Ouais, mais je pense qu'à 10 ans, tu peux apprendre à prononcer tes mots, tu vois. Eh ben lui il habite Toulouse de l'Est, d'ailleurs, c'est pas grave, c'est pareil. En même temps, on le comprend, ils disent toujours chocolatine. Donc effectivement, il y a de quoi se poser une question. Alors déjà, c'est pas en chocolatine. Exactement. T'en suis catégorique. C'est une marque déposée par mes bons soins. Ah, pas en chocolatine, voilà. C'est génial. La réponse à tous les problèmes. Ma fourche à langue à ce moment-là. Et je vous merde. Ma fourche à longue. Il y a deux critiques encore. Pio 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 pio. Ouh, Ferdinand là-bas. Nickel. Ouais, couac, couac, chocobo. Voilà. Ferdinand, voilà, il m'a niqué, enculé. Là. Sa merde là. Ah, il est content, hein. Ah, il est content, hein. Il est 26, je cherche qui. Ah putain, le Ferdinand. Ah, toi aussi, t'as niqué. Wouhou, tous à l'eau. Non, y'a quelque chose à tirer. Y'a quelque chose à tirer. T26, cherche, allez, cherche. Tu vas te détendre, oui. Y'a quelque chose à tirer là. C'est mon T26 de compagnie. J'ai depuis tout à l'heure. Allez, cherche. Ah, je te jure. Il est là, attaque. T'as de la chance de pas fatigué, toi. Fais le beau T26. Non mais en plus son pseudo c'est Bulldog. C'est marrant. Ah oui frère. Ah ouais vraiment on trouve par terre là mec. Vous êtes pas rigolisant vous. Je suis en train de me pisser dessus là. Non mais vraiment on stoppe demain hein. Bah oui, moi je trouve que oui. Moi tout seul je rigole beaucoup. Ah bah écoute, j'ai jamais mieux serré que par ça, hein. Et comme d'habitude, celui qui traîne, c'est les libres. Un ennemi qui a été spawné sur... qui a été spoté sur notre spawn. Ah ouais, les ventes. Pourquoi est-ce qu'on te saoule? C'est bon, Webs. Déjà d'où notre humour?
Si j'ai pas d'autocollant, je peux pas jouer. Il faut des gommettes pour jouer ou... Bah c'est plus marrant. Tu colles une gommette sur ta main à chaque fois que tu tues quelqu'un? Bah c'est plus une main qu'il va avoir, c'est une porte de frigo, mon pote. Hein? J'ai pas compris rien. C'est plus une main qu'il va avoir, c'est une porte de frigo. Tu sais qu'il y a toujours des tas de saloperies sur les portes de frigo. Ah ouais. Bon, Alpha, bravo, Charlie. Alpha. Bravo. C'est qui, Charlie? Ah, c'est clair. Vu que les chars, c'est en métal, tu peux coller la France de paire d'odus dessus. C'est génial. Ouais, j'y ai pensé aussi. Waouh. Waouh, c'est une dingue. Vraiment, les gars, vraiment? Je pense qu'on va remonter un sketch. Pas besoin, c'est déjà naturel. Moi, j'aime bien, c'est quand Eben il dit ça, tu sais. Mais lui, il veut tout monter, lui. J'en ai pour ne pas cette agression verbale complètement gratuite. Sauf qu'il fait quoi, comme tout le monde, là. Il monte ce qu'il peut, et puis c'est tout. Il me suit encore le T26. Bah, en même temps, c'est normal, autant se servir d'un bouclier humain. Ah, oh, salaud, Didi, il passe devant de la truffe, Didi. D'un détecteur oh, à ennemi, tu sais. Tu fais buter le mec qui s'est fait que ça vient. Son tachetis, là. Mais où? Attention, Chiri 2 là-haut. Ah putain, j'avais un autre problème, j'avais un 18 là. Allez, mais nickel. Fais chier, bordel. T'as pu tirer un petit T6. Oh, je suis désolé. À part là. J'aime bien quand le jeu te marque barrage artillerie que quand t'es dans le tunnel. La montagne, c'est pour moi, mec. Tant pis. Ça sera rigolo à voir. Et ça, bref, véridique, ça me ferait vraiment rigoler de me prendre la montagne sur le coin de la gueule. On est d'accord que. Que. On est d'accord que genre la quantité de flammes qu'il y a derrière le réacteur des avions à réaction est pas aussi, c'est pas possible. Mais d'où lui? Putain, ça me saoule. Elle est pas aussi grande en vrai? Non. C'est pas un avion à post-combustion. Oh non, mais tu sais pas, ils ont ouvert le bar à grillade avec ces réacteurs. Tous les équipages, couvrez-moi. Putain, je l'ai envoyé je sais pas combien d'obus et il est toujours en vie. Et qu'ils ont fait un wok avec ça. Gros combat. Un wok. Ouais putain, il y a Panzer 470 là. Je vais pouvoir l'avoir celui-là. Gaffe, bref, c'est juste en bas là. Waouh, c'est bizarre. Le mec, je le nique. Il a tiré. Je suicide et j'ai pas le kill. Vous pouvez le rusher, il a tiré. What the fuck? Nous avons pris l'initiative. Oh les gars. C'est quoi? What the fuck, mec? Oh bah ça, c'est bon ça. Je nique, il nique. Non mais attends. Elle est bonne celle-là quand même, non? Putain, c'est auto. Il s'arrive, Ben. Ils sont en train de tuer, quoi. Mec, je suis en train de voler avec le Yak 30. Ouais. Et je vais atterrir. J'atterris un peu comme un porc, tu vois, ça bouge bien sur le tarmac. J'ai fait bugger la roue du train d'atterrissage, elle est à côté de mon avion, mec. Je révole avec moi. Attends, je suis des screens, mec, c'est abusé. Oh, j'ai atterri comme un porcasse aussi, tu vois, mais.
Ah, le prix. Oh, alors là, pour rater mon tir. Ah, mais tu es japonais, c'est pour ça, mec. En même temps, il plisse les yeux pour essayer de viser avec un japonais. Oui, bah alors là. Pardon, excusez-moi, c'était facile. Non, mais j'ai une fenêtre d'ouverture d'à peu près 1 cm. Oh mon dieu! Oui, merci. Il ouvrirait un peu plus les yeux, il aurait l'impression que je vais débrider. Mais... Tiens. C'est pour ça que le char va aussi lentement. En plus, c'est complètement faux, mec, il roule plus de 4T64 ton char de merde. Oh oui. Bah heureusement. Aïe! Fuck you, bitch. Hey. En 32 139, j'ai fait un quart de la recherche du type 64. Okay. 380 000 quand t'es pas premium, c'est beaucoup quand même. Bah, passe premium? Bah, non, je veux pas passer premium parce que je joue pas assez souvent. J'avais du premium la semaine dernière parce que j'étais tout seul chez moi et que j'avais que ça fout de jouer. Mais là, quand je suis à Cherbourg et tout, je peux pas jouer. Je peux jouer quand je suis pas chez moi, j'ai un ami. Je squatte chez quelqu'un pour jouer. Et pourquoi tu peux pas jouer chez toi en fait? Bah parce que j'ai pas assez d'internet. Parce que c'était une dictature chez lui. Il a vraiment le droit de jouer au chef Théo Arca. C'est parce que dans mon appartement j'ai internet mais par câble. Bah oui. Et j'ai même pas assez d'internet. Non mais mec, on est en 2010, tu peux avoir pas assez d'internet mec. Ah si, je te jure que si. C'est où? Je suis à Cherbourg, c'est Est-ce que ouais. Cherbourg c'est plus grand que Cassie? Cherbourg c'est tout petit, pour commencer. Cherbourg t'as l'air de table mec. Ouais mais bon, oui. C'est oui. Pas un musée de la marine mec à Cherbourg. À Cherbourg il y a un aquarium, il y a un sous-marin. Et, ouais. Et qu'est-ce que tu fais à Cherbourg en fait? Bah mon BTS. Mais je peux te dire que Cherbourg t'as vite fait le tour. C'était la plus grande centrale de France, pas loin. Non, c'est pas la plus grande centrale. Attends, et tu fais quoi comme BTS? Hein, Bob? Hein? Allô? Mec, oui. Tu fais quoi comme BTS? Je fais CRC. Ça m'en dit pas plus en fait. C'est construction et réalisation en chaudronnerie industrielle. D'accord. Voilà. C'est hyper précis. Oui, mais ça veut rien dire. Personnellement, c'est juste de la chaudronnerie, quoi. Ah, après, c'est le but d'un BTS, hein. Après, franchement, quand on me dit « Ouais, vous allez bientôt être technicien... » Attends, c'est technicien chaudronnier industriel, là, tu l'as dit pas pro, mais... Technicien, c'est bien beau, mais ouais, en fait, c'est pas... C'est un peu comme les techniciens de surface, tu sais, hein, C'est grave, ça, hein. Alors je tire sur un AMX-30. Et un noir. Tu vas vite la prochaine, Steph. J'arrive à le rater. Ah, je sais pas si tu m'as entendu. Non, j'ai que le début là. Ok, bah je vais faire une plus du coup. Je vais me faire rusher par deux AMX-30. Oh, je vais écraser. Ils m'ont fait la peau. Vous faites quoi comme VR? On est toujours en 5-7, nous. Mais on est à 4. D'accord. Bon bref, en fait, j'étudie la résistance du métal et puis... Non mais je me fais une petite dernière là pour essayer de maxer. Bah j'essaye de maxer mon tigreux en fait. Ton tigreux? Oui. Le tigreux, j'ai même pas débloqué.
Ouais, je l'avais jamais joué avant parce qu'il avait un BR beaucoup trop haut pour le char que c'était. Ouais, c'était 6-0 avant, c'est ça? Ouais. Et puis surtout que bah, moi j'en avais pas besoin pour j'avais déjà le 2H à ce moment-là, même le 205. Quand il est sorti, je m'en Ouais, c'était branlais. un peu exagéré, hein, de faire augmenter le BR juste parce qu'il avait un tourello commandant plus petit et une mitrailleuse. Non, pas que ça, un PCR et la tourelle au niveau du. C'est qui est derrière? C'est qui le con? C'est le tireur. Le manque de la tourelle au niveau du tireur est plus blindé. Un karting! Voilà. Et... T'es en train de taguer ses chars. C'est rigolo le jet. Ah bon? Ah oui. Depuis quand? Sais pas. C'est aussi fait une gueule de 64, c'est ça? Ah, vu comment il est en train de cramer, je suis sûr qu'il a pas d'extracteur. Donc je vais le laisser cramer tranquille. Voilà. Oh merde. J'étais en train de regarder un AMX 30 brûlé. Je regarde vite fait derrière moi, il y a les deux Panthères 2. Pom-pom. Au revoir. Du coup, j'ai rien fait. J'ai pas bougé en espérant qu'ils m'aient pas vu, mais ils étaient pas trop cons. Ils ont vu un beau arrière de SBT1 là, prêt à accueillir leur offrande APCBC, je dirais. Donc ça a joué en même temps les Panthères 2. Ils n'ont Non, pas mais ils joué. étaient pas trop cons. Ils ont vu un char ennemi, ils ont tiré. Pas mal. Le Panthère 2 en même temps, ils vont pas se dire, ouais, on va le jouer à la hit. Oh, 110 mm de pénétration. Wouhou! À l'explosif! Ouais! Ou ouais, à la PCR, bon. Faut être vraiment con, quoi. Ah, mais je pensais qu'il me dirait oh non, mais vas-y, on t'a pas vu par. Voilà, tu sais, on aurait pu jouer aux cartes tous les deux et puis être de bons amis, quoi. Non, je t'aime pas, mec. Mais bon, il a vu que j'étais en train de cramer son pote, alors du coup, il a pas dû trop apprécier. On n'a plus le droit de cramer personne maintenant, moi. En parlant de brûler, ça me rappelait une mécanique qu'ils avaient mis qui était bien, aussi que tu pouvais éteindre ton feu dans certains cours d'eau, quoi. Ah oui, je me rappelle de ça. Ça, c'était bien, ça a été très court comme type de truc. Ouais, je me rappelais de ça. J'étais en feu avec mon T92, je me suis jeté dans l'eau et je me suis noyé. Ouais, mais il répond pas, Didier. Après, il est peut-être en game. Mais ouais, c'était vraiment sympa. Parce que maintenant, t'es en feu, tu vas dans l'eau, t'es toujours en feu, quoi. C'est bizarre. Bah, ils ont voulu tester un moment, mais je pense que c'est. Ils ont peut-être trouvé ça trop et. Les gens qui n'avaient pas les extincteurs passaient leur temps en l'eau. Moi, je vois absolument pas de quoi on parlait à ce moment-là. Je Ah, trouve que c'était du plutôt moment que pas j'avais mal. vu ça, moi, à chaque fois qu'il y avait une map dans l'eau, je pouvais être sûr que j'étais dans le cours d'eau. T'as fini de m'embêter, toi? Ah, arrête de pousser. Oh, il y a du monde. Oh là 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 là. Ils ont des vrais chars en face, hein. J'ai vu un tigre de hache. Les mecs, on fait quoi quand en face il y a des chars, on a l'impression de leur tirer avec un tromblon dessus? Bah, ça me ferait ça pour un tigre, tu veux qu'il fasse quoi? Un super. Comment dire? Un magnifique tigre de hache. Surtout que j'avais pas vu, mais le jeu est génial. J'ai débloqué les hits. Les hits, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a chargé toutes les hits qu'il pouvait dans le char. Du coup, je suis full munitions avec mon tigre. Ah, oh, c'est génial! Et... Oh, c'est top! 91 munitions. Oh, la vache!
91 millions d'explosions, quoi. Non, non, tu m'as pas vu. Je ne suis pas là. L'objet 268,7, là, il m'a eu. Hein. Un 268, hein. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule 7, hein. Les 3485 ZIS 8 virgule 92. Pas à l'aise avec les chiffres, les Russes. C'est pour prouver qu'ils savaient compter. Ouais. Ouch. Hey. Ouais les gars. Eh merde. Je spawnais avec une petite merde là. Il savait compter 5, 7, 50, 34, 40, 41, 42, 34, 57, 85, 44, 44, 100. Bon. Quoi ? Il passe de 40, il passe de 47 à 49. J'ai absolument pas suivi le fil de la conversation. Non, moi non plus, mais clairement, vraiment, je pense que t'as fait, mais. Y'a un T1 T'es russe ? Un quoi ? Un T1. Ça va du 34, du 44, mais est-ce qu'il y a un T1 dans le premier ? Déjà, comment il s'appelait le premier char russe ? C'est le PT5. Non, mais qu'ils ont fabriqué ? Le T26. J'en sais rien, mec, mais je comprends pas de quoi tu parles, en fait. T1, tant qu'on... T'es à combien de kilos actuellement, là ? Mais t'es complètement con, en fait, je vais te comprendre ta blague de merde. T'es un light, ah non, t'es un light, c'est. Mais mec, mais. C'est que t'es... Non, mais je t'explique. Chez les Russes, le T34, c'est pas le char numéro 34, hein. C'est pas le tank numéro 34. Hein. Ça aurait été marrant, moi je trouve. Mais non, c'est l'année de conception en fait. Il y a juste le T34. Non, l'année de conception, le T34, c'est la seule exception, mais à partir du T44, le chiffre après le T, c'est l'année de conception. Le T14 Armata parce qu'il a été conçu en 2014. Ah d'accord. T'es 72, 1972, enfin je sais pas Ah ok, ah c'est marrant. Bah tu sais quoi, tu viens de m'apprendre un truc là. Mon cerveau atterrit. Oh pas bouger, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Pourquoi il a bougé? Ses ennemis qui bougent. Danny, c'est ta faute. Il veut trucher. Ouais, et bah il a réussi. Et bah, pote, j'ai pas réussi à tirer dessus. T1, mec, t'es sérieux, toi? Bah, le T1, c'est un char américain. Mais c'est quoi le premier char russe? Ah, c'est un, c'était le T26, je crois. Un truc comme ça, ouais. T26, PT5. Dites les gens. Non, mais Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a réussi à aider un avion à se réparer sur la piste? Oui. Tu voles au-dessus de la piste? Ouais, non, mais c'est impossible quand tu vas trop vite. T'as pas le temps d'appuyer sur la touche. Tu te poses à côté de lui. Et vous avez déjà réussi à le faire? Oui. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets à zéro et je vous remets voler. Et tout, en général, il a fini le mec. Bah, tu fais ça avec un copain. Faut avoir un copain, mais tu fais ça avec un pote. Quoi. Les premiers chars russes, c'est quand même. T'as pas besoin de voler hyper vite non plus. Tu peux ralentir aussi. Hein. Ah, j'étais pas loin d'un avion, ouais. C'est dommage que le moteur était mort, j'avais bien envie de tester, mais t'as peut-être 2 mètres trop loin. C'est le MS1. C'est 18. Premier véhicule, c'est pas beau, c'est comme ça. Quoi ? 1928. Ok. Premier véhicule de soutien. Ok. Voilà. Et il est moche. J'ai envie de te dire que ça me fait une belle jambe. Bah, c'est de la culture générale. C'est vrai ?
Mais j'ai rien de plus ou c'est pour tout. J'allais te dire que la culture générale sur les chars qui ont posé l'armée soviétique, c'est pas le truc méga utile non plus. Bah surtout les tout premiers quoi, c'est tout le monde un peu s'en branle en fait. Ouais, voilà. Moi je les trouve marrants. Aïeux. Moi pas. Ils ont servi à rien quoi. C'est comme le char anglais là, tu sais, celui qui a les deux canons sur le côté là. Comment il s'appelle? C'est celui qui a libéré la France, mais c'est pas grave. C'est quoi? Fuck. Qu'est-ce que t'as dit, Brems? Je dis celui qui a les canons sur les deux côtés. Déjà, c'était pas des canons, c'était des automitrailleuses. Et c'était les premiers à avoir expérimenté les chars pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est ce qui a permis à la France d'être libérée. Mais pour ça, ils ont pas servi. Les marques machin chose. Les celui qui était ceux qui étaient. Ils étaient pas concluants. Après, d'autres oui, mais le tout premier. Le FT-17 et tout quoi. Non mais bien non, avant. Non, FT-17 c'est français. Ah le char anglais là. Le char anglais, ouais. le Mark 4. Mais le Mark 4 moi je trouve beau moi. Vraiment il est hyper sympa comme. Non il est dégueulasse. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Ah il y avait encore des bombes à dropper. C'est pas juste. Ah, ça merde, toi, putain. Tu peux le niquer. Hein. Ma game bientôt finie, Steph. Le Mark 4, quand même, il a eu la gueule. Il y a le Mark 1 avant. On va voir ça. Et avant, il y avait le Marco. Et après, il y a le Mark à 1000. Ah, je l'ai fait avant, Derix. Ah bon? J'ai pas entendu. J'ai fait Polo. Fraction de seconde avant. C'est moi qui l'ai dit en premier. Là. Chaussette. C'est un truc de fou. Fromage. Ah, t'as pas la référence. Il peut être considéré comme le premier char d'assaut opérationnel. Si Yojimbo avait été là, il aurait compris. Oh, je suis déçu, il n'y a personne qui a eu la référence. Marco Paul. Alors là, il y a un gars qui est intéressé. Mais attends, c'est un mec. Il dit que comme il a des petits frères chez lui, il peut pas forcément parler le soir. Et c'est pour ça que ça va être compliqué les moyens de communication. Cela dit, il me fait le week-end, il peut être dispo. Alors là, j'ai besoin d'un avis. Oh, c'est super, Didi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Bah, écoute, t'as demandé un avis, écoute, tu l'as. Ouais, j'aurais bien un avis, mais ça va pas plaire. Bah, dis. Hein. Il y a qu'à aller au magasin, jeter du sparadrap et puis le col sur la tête de ses petits frères, comme ça il n'y a plus d'embrouille. Bah, au congélateur, ça aurait été pas mal non plus. Non, ça c'est quand ils viennent de naître. Sinon, c'est pas c'est vrai, excuse-moi. Sinon, ça prend beaucoup plus de place. Trop de place après. Sinon, ça passe plus au four après, c'est le bordel. Ouais. Bah, faut le découper en petits morceaux pour l'enterrer dans le jardin. Il faut avoir un jardin. Non, mais du coup, qu'est-ce que si j'aurais envie, en soi, c'est s'il peut parler le week-end, je veux dire, ouais. Ça change pas de joueur qui joue que le week-end. Mais sinon, exactement. C'est qui fait, il passe au four. Oui, voilà. Quand j'ai l'envie. J'ai pas envie de lui dire oui si. Bah, surtout toi, Steph. Si t'es pas ok. Ah, c'est d'aviateur au moins. Donc, en fait, oui, c'est un aviateur. Parce avis, qu'il a dit, je cherche des gens pour voler. Après, bah, vas-y, on va intermarcher, je vois là. Voler avec du monde. Ah non, mais on va être un marchand, on règle ça, y'a pas de soucis. Dis, tu te mets prêt tout de suite. Non, mais il vient de timer un peu. Ah, Didi, il est relou. Du coup, Steph. Prends tes responsabilités. Après, peut-être avec ta clé. Bah, mais quoi, ma responsabilité, je te demande. Prends tes responsabilités.
Mais c'est pas une responsabilité, c'est une opinion, un avis que je demande. Tu n'avais rien à dire lors des recrutements. Mais non. J'ai pas dit ça. Moi, ouais, c'est ce que j'ai compris la dernière fois. Le recrutement, c'est moi qui m'en occupe. Non, j'ai pas dit ça. Si. Non, j'ai dit ça pour les mecs qui postulent, mais qu'on n'a pas pu contacter. Ceux-là, c'est moi qui m'en occupe. Pour les autres, c'est un gars qui postule, c'est toi qui t'en occupe. Oui, mais c'est pas pareil, il a pas fait sa demande. Arrête de te foutre de moi, toi. Passez avec nous, Brad. Non, vous êtes pas cool. Bah quoi, on est pas cool. Il y a combien d'officiers là connectés? Il y a que Didi Bevreb. Vous en pensez quoi, vous deux? Vous êtes Steph, il veut rien dire. Tu vas dire la même chose que moi. Tu prends tes responsabilités. Non, moi j'allais pas dire ça. Moi j'allais dire que c'est ni le premier ni le dernier qui a à se connecter entre guillemets que le week-end et à parler. Et je vois pas d'inconvénient à ce qu'il soit là que le week-end. Ça me dérange pas. Il est là, il sera là. Il joue en semaine apparemment, mais il peut pas parler quoi. Bah après, ça fera un Didi numéro 2, et puis voilà, c'est pas grave. Hein. Ouais, tu sais. Il dit, il peut entendre, mais il peut pas parler. Pour pas réveiller ses frères. Il coupe son micro, mais il vient sur le TS. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Sinon, on joue quoi. Ouais, Didi, tu te mets prêt sinon. Mais il est pas là, il a tellement le trigger, il est parti. On joue sans cul, parce que j'ai pas envie de jouer. Il a eu une perte de connexion. Attends, j'arrive, Didi. Une perte de connexion pour rigoler. Ah, Didi. Comme d'hab. Ouais, je crois qu'il aurait ras le cul, il est parti sur Battlefield Dude. Et bien Battlefield. Depuis tout à l'heure, je suis qu'avec des nuls, j'arrête pas à gagner. Je me casse. Ah, Didi, il est plus. Oh, t'inquiète pas, il est pas non plus extrêmement bon sur. Il est pas non plus extrêmement bon sur Battlefield. Bah, je sais pas, Didi, je le vois même pas. Il vient de jarter. Il vient de jarter de l'escouade. Là, techniquement, on peut partir. On va partir. Bah, moi, je vois pas jarter de l'escouade, mais vous. Mais tout à l'heure, je le voyais, mais il pouvait. Ah ouais, c'est bon. Il n'était pas prêt, mais là, techniquement, on peut y aller. Bah oui, bah, le jeu, il a fait. Vite, vite, il y a des zips qui arrivent. Ah ouais. User joined your channel. Il y a un petit bon. Ah oui, il y a Chocomon, là, putain. Et voilà. Dommage, j'ai dit, on t'a attendu, mais. Moi, je voulais écrire sur le jeu, mais je vais dire de venir pour lui parler directement et il me répondra par écrit parce que là j'ai trop la flemme. Oh l'autre. Comment ça, t'es parti sur Battlefield? Non, tu entends pas, il dit qu'AMD c'est nul. Ah, apparemment, ouais, il est entièrement d'accord avec ça. Intel, c'est super. Mais il a deux ambiances même quand on est MD. Mais. Ils sont tous préférés, ça. D'accord. Il a dit qu'il allait revendre son AMD, sa Radeon, pour acheter du Nvidia de l'Intel. C'est un truc. M'énerve pas, me fais pas chier, tu m'énerves. Au moins, il fera une affaire. Donc, t'es à fond avec ton T3485, Daddy ? Ouais, stop. Ah, ça zo, parce que mon tigre il te rattrape. Je t'emmerde. Ah, là on vit normalement, tu devrais. Ah non, bon, je suis en train de te baiser. On va ralentir un peu. User in your channel timed out. Out. Ah, AMD a lâché. Sinon, le gars, c'est un niveau 40. Hein. Joueur depuis 2013, donc je suppose qu'il a dû reprendre le jeu. Ouais, il était dans quel. Bah, je peux pas aller voir. Sinon, ça met à jour sa fiche. Mais je pense qu'il l'a. Merde, je suis con. Avance, j'ai fermé la conversation. Bon.
J'ai pas compris. Ah, il y a quelqu'un. L'idée qu'il avait du mal à trouver une équipe justement parce que la plupart demandaient Discord ou d'autres moyens de communication. Bah pourtant c'est facile l'utilisation Discord. Oui mais ouais. Il peut pas parler. User joined your channel. Enfin du moins la semaine il peut pas parler. Mais fais la tourelle au Panthère. Ah bah il m'a fait le Charles. Ah non mais c'est normal, il y en a un deuxième en fait. Alors désolé Steph, je t'ai fait attendre. C'est 3-7, c'est ça? Ouais. Non, j'y pousse! Bon, ça t'attaque quand là, le 9-0 là? Putain, ta mère là! Eh, ça fait 10 minutes, hein! Oh! Oh là là, le râleur! Il va le renommer quand il aura 18 ans. Quoi? C'est quand d'ailleurs ton anniversaire, toi? Je sais pas. À la joue, là! Il a dit, je sais pas! Je sais pas le mec. Genre, en fait, tu vas voir sa majorité, c'est pas quand c'est son anniversaire. Mais bien sûr que si. Ça va être une surprise son anniversaire en fait. Putain, t'as pas encore 18 ans? Faut pas que je change ma description. Ah non, mais... c'est encore un bébé cadom. Ah non, c'est un bébé hein. Ça veut pas rire moi, ok? Ah bah non, ça rire. C'est toi qui veux pas changer ta description. Mais ma description elle va très bien, mais voilà. Moi, c'est ça, j'ai pas entendu depuis un matin. Il est plus jeune que toi. C'est pas vrai, ok? Je suis pas mis, c'est pour s'offrir, ok? Putain, j'aurais pas cru. Attendez, pourquoi c'est excité autant d'Ali, Ben? Il est encore mineux? Parce qu'il est un berbe, le Ben. Moi, je suis un berbe, mec, vraiment, gros. Quand tu es là pour corps de gazon, c'est ça. Ouais, mais quand tu veux, tu me donnes ton snap, mec. Tu vas voir si je suis un berbe. Le snap de quoi là? Et tu veux m'envoyer cette table en photo sur snap? Il m'a envoyé ses trois poils de cul. Non, mais. Mais non, quand même, ça. C'est... Ou rêve, quand même. La jeunesse de maintenant. Hein. Oh, putain, encore une frontline. J'aime bien la vitesse de mon pouce-pouce là. J'ai pas du tout de bon avion pour ça, je me suis trompé. Ah non, t'as pas peur d'y aller avec ton KV2 face à l'armée qui sont. Non, j'ai pas peur du tout. Je suis en train de serrer les fesses, mais là je fais du lait avec mon cul. Oh, c'est du beurre là carrément. Ah la vache. Allez, on va tous me arriver sur la gueule d'un coup là, je vais rien comprendre, tu vois. Ah, puis moi je vais arriver en retard, tu sais, faire. Et j'arrive! Et ils vont me regarder, ils vont faire un bâton, boule pas, nous aussi on a rechargé! Ah, bah il aura pas duré longtemps, mon avion. Et le pire, c'est que je les vois pas, ces abrutis. T'inquiète, ils vont tous ébouler d'un coup. Oh, je l'ai raté! Bah, moi je l'ai pas loupé le premier, tu vois. Bah, il y a le deuxième aussi. Alors, on va attendre que la carcasse elle reste. Elle est bien la carcasse là. Ouais, très bien cette carcasse. Ça pouvait rester encore. Oh, fils de pute! Ah, il m'a loupé, c'est abruti avec sa merde. Aïe. Je fais rien de bon ce soir. Alors, je recharge? T'as dit, je suis désolé, je recharge. Et aussi, t'avais du mal. Bah, moi aussi, je rechargeais, mais je sais pas combien de temps il m'a chargé, c'était pas mal. Oh non, monsieur, s'il vous plaît! Non, c'est ton tour, amené. Aïe. Mon tour de cul. J'ai pas rechargé, le chargeur il était parti en vacances. Mais le premier il est arrivé comme un ouf avec son panthère là. Boum. Ah ouais. Et puis le deuxième en fait je le visais. Tu sais qu'une fois que tu l'avais tué, je le visais mais il y a un jumbo qui est passé devant. Il a pris la place du panthère. C'est assez folklorique quand il porte. Mais qui vient modèle. Ah, pardon. Bon, moi. En quelle année ça tag là? Oh, mais arrête! Quoi? Et de faire cuire une omelette aussi au passage. Mais d'où il était où lui? Son tagueur là? Sur le bout de mon canon, tellement il est chaud. Ah, moi je fais le bacon.
Le bacon ou le bacon? Oh, comme tu veux, si tu préfères. Ça dépend si le bacon est masculin ou féminin, tout pareil. Faut demander à Rex, c'est elle la pro. Bah moi c'est, je suis pas une référence parce que je dis jamais le mot con, je dis le mot con. Mais si c'était une insulte envers moi par contre, je le prends très mal. Ah non. Pourquoi une insulte tout de suite? Moi j'allais dire en... Ah merde. En parité féminin masculin. De toute façon... Ah, non, bah, dans ce cas non, je te dis, je... ce mot là je le mets jamais au féminin. De toute façon, j'allais te dire, hein, con dans le sud, ça vaut mieux que dernier. Mais dans l'idéal, faut dire con.ne. Ouais. C'est noir, mais non. Ah, c'est toujours de la NE dans ce mot-là. Ouais, il s'en sortira celui-là. Vraiment, hein? J'applaudirais presque. Ouais. Oh yeah, j'ai tag, les gars! Oh! Enfin! Ok. C'est écrit. C'est quoi, c'est une gun style? Cool streak. Ok, on prend Mi-15, allez c'est parti, on va chasser. On est tous chez Zobi ou quoi? C'est chacun avec quoi? Vous faites pas de points depuis tout à l'heure, je peux pas vous. Oh mais les gars, la partie que je suis en train de faire... Non, c'est quand même temps, je sais plus rien. La partie que je suis en train de faire, en 9-0 jet, c'est 6 contre 6 quoi. Bref, t'as vu comment ils sont nombreux? Oui, je viens de remarquer ça. On va essayer de cavaler plus vite, hein. Mais que le meilleur gagne. Je suis bien d'accord. Mais dans ces cas-là, en jet, ils rajoutent pas les bots, ils sont... Non mais mec, attends, je vais report de suite, mec, c'est sûr. Écoute là, regarde là-bas, il y a une belle maison. Je viens d'attendre un quart d'heure pour ta sortie en 9-0 et le mec, son plus gros avion, c'est le FW-180. Bon, je baisse. Joli. Bah alors? Bah quoi, c'est un 3.7 mec. Allez, tourne stupide tourelle. Ouais, il doit être en avec quelqu'un, non? Bah oui. Mais c'est quoi le problème? Mais c'est quoi, je suis en 9-0 mec? Ah, c'est du kill facile. T'as le droit de report. Mais il est pas dans mon équipe, il est dans mon équipe. Ah ouais, là ça te fout mal par contre. C'est ça le problème. Oh, je fuis. Non mais si ça se trouve, il va faire du kill. Ouais, c'est vrai en plus. Ils sont nombreux. Faut pas regarder la minimap, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah merde, c'est hors zone. Ne m'a parti là, Stéphane. Ah non. J'ai pas pris de bombe encore. Bah j'ai pas de bombe en fait avec ce deck là. Je crois que t'es légèrement encerclé. Tire. Ouais, et barrage artillerie. Il est niveau 33 hein. Ah non, je suis en trauma, je vais crever du hors zone. Ah bah non, j'ai pas eu le temps. Non, mais l'autre oui, vu qu'il a une... une chenille en moins. Bah, mais surtout, on est mal partout parce qu'on a une belle... Je crois que j'aurais pas le kill quand même. Je crois que c'est... Il s'est cassé la chenille tout seul. Ils sont pas avec super mon explosion doux, en fait. Non plus. Allez, pour ta gueule. J'en ai eu je sais pas combien avec mon P39. Là par contre, le coup c'est que je me retourne là. Smoop. Allez, au revoir. J'aime bien le Osville. Yeah, j'ai fait un kill. Il faut que je fasse combien de parties encore pour essayer d'avoir le... C'est le puck le plus important. Pour avoir mon APCR, là. Didib, il est de retour. Il est pas arrivé. Didib, 5-7. Okay, et time out. Oh là, mais hey, les mecs, ils sont tellement forts, ils s'écrasent, quoi, je te jure, hein, les gars. Non, la flemme. Il y a les deux qui sont en haut là. Bon, bah on peut y aller, Brad. Okay. Les FCM là font du spawn kill. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Par contre, si vous rencontrez la DL44, vous étonnez pas. C'est les Français, tu vois, c'est ça le pire. Si, il faut plus, hein. De quoi? Les DL44. Hein? Ouais. Focus. Ils ont déjà focus, ils focus depuis une éternité. Oui, enfin. Ils aiment bien focus toutes les teams françaises. Ouais, c'est des cons. Surtout ça. Comme dit Didib, c'est des cons. Bah, on recommence. Bah, ouais. Oh, j'ai plus de vitesse. Oh non, mais non.
Ils ont complètement foiré leur mise à jour là, je sais pas ce qu'ils ont. On est au fait. Bref, c'était pas. Avant la mise à jour, on avait des rotations de map. Alors là, t'as eu tellement de chance, Steph. Bah, juste avant la petite mise à jour à la con, je trouvais que c'était mieux. Ah bah, tu comprends, disais, c'est au cas où qu'on n'ait pas savouré notre exactement défaite. Exactement dans le même alignement que toi, et j'ai tiré une seule balle pour l'avoir. Si j'en ai tiré plus, je pense que je t'aurais battu derrière. Ah les gars, j'ai un problème. Ah bah, il y a des balles, moi, elles touchent pas. Hein. Je sais pas. T'as l'enfoiré, le M18 il va les capturer tout seul. Bon, il fait quoi? Ah bah non. bah non. Non mais. Ah mais. Ah mais. Ok. Le M18 est un trésomique. Ah oui, il s'est pris un escalier, il a fait. Oh, mon point faible. Non mais en fait, les gars. Ah ok. C'est quoi d'autre, ça pourrait être. Ah, j'ai des backups sur mes chasseurs. Oh, lui. Sur mes chasseurs et tout, d'accord. Magnifique. Un M36 qui me one-shot de face. Tout va bien. Eh, y'en a un, il les a repérés les FCM. Il les a plutôt bien. Oh, ça avance plus les décors, putain. Comment j'ai pu louper ce char, franchement. Merci pour le petit coup de pouce parce que je suis pas sûr d'y arriver. Cap, en fait, avec ma merde. Nous avons capturé une zone. Je répète, les forces ennemies ont pris une zone. Pourquoi moi sur la map? Explique-moi, Daddy, pourquoi sur ma map? Je voyais un 4-4-2, je tire, c'est un M4A4 que je tue. Y'a personne, quoi. Il y a un autre. Ça, y'a personne. Bon, j'ai le canon, je sais pas. Et tirer dans le canon. Cet enfoiré. Il est où, là? Il est juste dans l'angle, là. J'ai fait commandant chargeur. D'où? Fais gaffe à droite. Oh, j'ai Boons! Là, je suis dégueu, à chaque fois j'ai fini Gabe Louchard. Je pense que je vais arrêter là parce que c'est l'heure. Hein. Oh oh! Ah, oui, d'accord, on est dans la merde. Mais t'as eu tes 3 victoires? Bah, non, mais en fait, c'est demain. Donc, c'est pas grave. Hein, j'ai eu deux défaites aujourd'hui. J'ai crevé, putain. Ah, les gars, je suis en mi-15, je me fais chasser par un AD4, quoi. Les autres, ils ont pas fait grand-chose dans la game. Bah ouais. Allez, sur ce point, je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a personne, on a aucun allié. C'était la même game qu'on a faite tout à l'heure, Daddy. On était 3. C'est ça. Du coup, je vous laisse le poste, Didier, de surveiller. Du coup, l'autre, il t'a dit quoi? Il me recontacte ce week-end. Il te recontacte. Message s'auto-détruira. Hein? Voilà, mais ce mec, t'abuses ou ça, Devlo? Alors c'est Ben, il perd tout humour à force de jouer à War Thunder. Ouais, je vois ça là. Eh, faut te détendre un peu. Mec, cool. Mec, je suis dans mon mi 15. Faut que t'arrêtes de jouer les Russes. Hein. Mec, je suis dans mon mi 15, mec, j'ai perdu un tiers de... les deux tiers de mon aile. Je sais même pas que le jeu... comment le jeu peut considérer que je suis pas mort encore. T'es en arcade? Russe. Je peux pas comprendre. Bah non, la dernière fois j'ai fait ça avec un dernier 335. Ah ouais, mais un dernier russe. Y'a pas de dernier russe. Les gars, j'ai un problème. Ah bon? T'as pas vu le dernier russe? À peu près aussi existant que les bombes nucléaires, c'est ça? Le dernier russe, c'est le quoi? C'est le PE. Ah, mais le vrai dernier 335. Dernier 335, allemand. La dernière fois, je volais en arcade, j'étais en mode... Ouais, bah j'ai une aile quoi. Et ça volait. J'étais pas considéré comme mort. Les Allemands avec une aile en moins, comme les Russes aussi. Bah, du coup, je les raide pas rien. Non, mais je suis trop con. Décoller en jet, c'est le truc le plus chiant de l'histoire quoi.
T'as déjà décollé avec le Narval? Oui. Bah le Narval aussi c'est avec chiant. Un P38 sans voilure. Mec, un Narval c'est très bien hein gros. Ah non, quand tu soulèves trop vite, ça tape derrière. Ouais, ben... Hormis ça, l'avion il va très bien mec. Mais c'est quoi le problème avec les... Fais gaffe, c'est un Avenger. Hein. C'est que c'est lent à prendre de la vitesse. Et le truc qui est là-bas en face? Ah ouais, fais gaffe. Oh mais c'est pas compliqué à la faire. T'inquiète, t'as vu ma vitesse de croisière là. C'est lent à prendre de la vitesse. Tu es à fond, hein, Daddy. C'est quoi, t'es avec le... Bah, je viens de m'écraser, voilà. Excellent. L'avion, tu peux tellement pas décoller avec que j'ai tapé les buissons en piste. Merci. Oui, enfin, t'as déjà fait décoller le B-17 en simulateur? Ça, c'est marrant aussi. Mec, t'as déjà joué à DCS? Quoi? T'as déjà joué à DCS? Non. Fais décoller un avion en DCS DCS, en fait, je l'ai installé, mais je peux pas le lancer. À chaque fois que je lance, il plante. Mais attends, cet enfoiré, en fait, là où c'est que je suis. Il a le canon vers toi ou vers moi? Ah, vers moi, pour le moment. Il m'attend comme une grosse salope. Attends, j'arrive. Eh, du con, à côté de toi, regarde. Ça, mais je peux te dire que pour faire décoller un B-17 en simulateur, il s'est mis dans un coin à la con. Un protocole. Tu fais pas tout bien, tu t'écrases. Fais gaffe, t'as un Charlot au contact. Ouais, je sais, il arrive. Toujours sur moi. Vas-y, avance. Il est mort. Ouais, j'avance. Ah putain, il m'a eu cet enculé de merde. Là. Ça m'énerve, ça, putain. Il me rush comme un autre. T'as le bris de... Eh, il force trop le MiG-17 là. Mais qui c'est qui m'a mis autant de dégâts? C'est mon pote? Ah ouais, d'accord. Ok. Mon pote a fait me buter, ce qui est le plus normal. Viens mon petit. Viens mon grand. T'as guéri avec la peur? Ouais, bah oui. J'ai la même pénétration qu'un tigre 2. Oh, un KV2. Ça recharge comme de la merde, ça, le KV2. Ouais, mais il peut le dégommer, regarde. BAM! Je l'ai pas vu venir, en fait. Tu sais, parce que moi, même tête de croisière, regarde. Pet. Eh hey. Oh toi mon chat. Cool, j'ai touché, tu l'as eu juste après. Écoute, il y a quand même eu le temps de mettre le conducteur. Jamais de la vie j'ai fait des bénéfices sur cette mission hein. Merci. J'ai cru voir un KV1. Il y en a un. À moi. Avance. Non, t'arrêtes pas, Brevis va te tuer. J'ai cru voir un Romini. Non, s'il te plaît, avance. Brevis va te tuer. À moi. Et je vois Brevis qui arrive en rue. Ta yo-yo, chargé. Tic-tac. Je l'aurais jamais été derrière une maison. Bon, moi je vous laisse. Demain. Ah ouais. Ah bref, c'est demain. Ouais, demain. Enfin, j'ai pas trop. Ah si, c'est l'heure. Il est pas l'heure. Toi, t'as 2 heures de décalage. Ah ouais. Bonjour à vous. À demain. Salut. Il y a beaucoup de DCA par chez eux. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir aussi. Ah, je voulais m'en faire une. Vous êtes encore full en 5-7? Aïe! Non. Tu veux vous rejoindre après? Si tu veux. Vous
ça fait longtemps que j'ai pas joué à mon petit 5-7 J'adore tirer de travers avec le FN Trigger. C'est comme avec le KV2 quand tu tires de travers. Et là, ça fait penser, il est dit, mais j'ai envie de rejouer mon petit KV2. Donc le sweet là-bas, j'ai foutu en PLS. Bon, il se barre là-bas. Là-bas, un autre! Oh putain. Allô, j'ai même pas le temps de faire l'assist. Bah, c'est pareil. Ah, c'est l'opio avec son char pété. J'étais prêt à y faire ses plans et tout. Oui, j'ai mis une grosse carotte. J'ai mis une grosse carotte quoi, mais. Eh hey, bah, refais l'autre flac en plus, t'en pourrais. C'est moi qui étais en train de le niquer, j'ai eu l'assiste. Mais... T'as raison dans la carlingue. Je vais pouvoir sortir mon bébé. Dis-moi que ouais. Tireux est full. Je comprends plus rien, moi je suis en partie 5-7. Le seul char en 5-7 que je dois jouer, je le joue quasiment pas parce que je me fais one-shotter. Je prends le FL10 à chaque fois, je te fais 6 kills. C'est normal. Va comprendre la logique. Y a pas de logique. C'est... du Grand Apple Chuck, ouais. Alors, un preset 5.7, est-ce que j'en ai un parmi tous les presets que j'ai chez l'Airbus? Vous êtes retourné en gare? Ouais. Ouais, j'en ai un tout fait. Ouais, LIS2, il est en 5.7. Ah oui, il est en 5.0. Oh. Le KV2. Non, pas de KV2. Genre... Oh non, je vais mourir. Ah, par contre, toi, je peux avoir une meilleure flaque. Et je peux mettre une flaque, en fait. Mais what the fuck, gros? Ouais, tu m'étonnes, la team de Frito, ça l'est... Mais bon. Non. Bref, si t'as pas le SA50. Si, bien sûr. Je préfère le FL10. Ah bon? En même temps. Tu n'utilises pas les deux? Bah, je peux sortir que 3 chars donc. En même temps. Il est pas bien le SA50? Et il est très bien, mais par rapport au FL10 qui a le loader automatique, voilà, quoi. Le choix est vite fait en fait. Ah oui, oui, il dit comme ça. Bah oui, c'est. Et en plus, en partie 5-7, je te fais 6 kills avec. Et il a aussi un autre avantage, vu qu'il a la tourelle avec la tourelle oscillante, il a aussi les fumigènes, les grenades fumigènes. Voilà. Ça peut te sortir de beaucoup de situations. Ah, ça peut. Moi, je suis rat. Comment ça va, mon pote? Ça fait longtemps. Non, tu me dépasseras pas. Si. Allez, au revoir, hein, écoute. Ouais, ta bouse américaine. Putain, je suis super heureux de le revoir. Le petit Sherman. Voilà, on apprend aux gens à conduire. Je crois que le M4-1, c'est mon Sherman préféré. Et dans pas longtemps, vu que je fais l'arrogant, je vais apprendre aux gens à mourir.
Ah, tu sais que t'as pas besoin de forcer le talent. Hein. Oh, sérieux. J'ai cru entendre de l'ironie de ta part. Oh, c'était plus que de l'ironie, je crois. Y'a quelqu'un qui se foutrait de ma gueule en tant que tankiste. Quelqu'un qui vient tout juste débloquer son premier, son Ferdinand. Ouais, puis il est fier. Et modeste en plus de ça, tu vois. Modeste comme un Français. Bravo, nous avons capturé une zone. User joined your channel. Bonsoir et heureux. T'as le PT-76, je fous sa race. En même temps, le pauvre petit chou, quoi. Par contre, je vais faire moins le malin avec un tigre. Ah, il y a un KV2 qui arrive. Pour l'instant, je suis sur ma gueule. Ah putain, il a eu mon canon. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est que cette merde là-bas, ce petit chat. Je vois trop mal là, franchement. Oh, je l'ai raté. Il est 85, je crois. J'ai cru voir. Attends, j'ai pas vu 82. Non, c'est un 42. Oh, l'autre qui me tire au cul et merde. Je m'en fous, j'ai toujours le KV. Tu as mis le tireur chargeur, c'est ça? Non, j'ai pas mis le manqué. Heureusement qu'il y avait les autres qui suivaient, quoi. Moi, je me balade. Je fais une petite balade de santé, là, avec mon Sherman. Je suis trop large pour passer entre le train et le mur, quoi. Je suis dégueu. J'en ai marre, putain. Je connais pas. Vous êtes en 6-7 ? 5-7. 5-7. On est full, donc... Attends. Je vais arrêter en passant 6-7. Fuck ! Fuck, fuck, fuck ! T'es nul à A ! T'es nul à A ? Non ! Allez, enculé, hein. J'ai une équipe de fruits, mon gars! Toi, tu les connais intimement quand même, tes adversaires. J'ai une équipe de fruits, putain! Oh bah lol, hey, y'a un point C, on perd hein, si on fuit le combat! Ouais, donc en fait, c'est plus Sherman Firefly, le meilleur Sherman. Sherman Firefly, ouais. Parce que tout le monde disait que le Firefly c'était le meilleur. Le SA-50 c'est pas le meilleur Sherman. Hein. Non, mais le FL 11. 10. 10. Non, je confonds avec la MX-13 FL 11. Wow, 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 wow. Je commence à sortir à un roi. Je vois M4 à 1. Et du coup, je vois 3 Charmander. Il va arrêter de rager, ça reste un Charman. Il y a un SU-152, quoi. T'es le meilleur Charman, quoi. Ouais, c'est le FN10, le meilleur. C'est Charman. La dernière partie, les gars. Ok. De toute façon, j'ai jamais trouvé que le Firefly c'était le meilleur, mais bon. J'ai jamais trouvé que le Charman c'était un bon Charman. C'est ce que j'allais dire. À part les premiers, et encore. Non, 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 mec. Je te rappelle que les deux premiers de la partie, c'est deux M4A1. Alors. Hein. Non, mais de toute façon, pour avoir fait l'effort de jouer en américain, je suis Sherman M4A1, j'ai vomi, hein. Clairement. Le 76 ou le 75 ? Le normal, quoi, le 75. Le 76, c'est quand même un bon renouveau. Ah mais mec, je te parle du 3.3, tu me parles du 5.0, t'es au courant qu'il y a 3 chars entre mon char, au char que je te parle et le char que tu me parles toi. Ouais, le M4-1, il est pas mal.
T'as cru que j'allais me torturer à monter jusqu'au 5-0 alors que j'aime pas le 3-0, enfin le 3-3 américain. Enfin Bah ils ont rien à voir ces Sherman là. Mais encore moi je trouve qu'il est plutôt pas mal. Non mais c'est pas une question qu'ils ont rien à voir, c'est que voilà Bah si tu parles du 3. Ah du 3-3. Oui moi je l'ai trouvé sympa moi. Eh merde. On a pas la même coup, ouais. Excuse-moi, ouais, j'ai besoin d'un kill. Merci. Moi j'aime bien quand tu parles de les premiers les premiers c'est des les deux premiers c'est des Sherman. Ah bon j'ai cru voir qu'il y avait un 85. Non non mais c'était tout à l'heure parce que Et bon, entre temps je suis mort. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un massacre? T'as balancé une bombe nucléaire quelque part? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai sorti mon T-34-85, il y avait quatre cons. Il y avait quelques cons qui étaient par-ci par-là, je tire. Hein. Oui, non, mais c'est cheaté parce que c'est un russe. Cherche pas. Hein. Bah oui, non, mais. Ah, celui-là, je reconnais qu'il est pété quand même. Hein. Celui-là, faut pas déconner. Bah, normal, c'est le seul char russe qui a de la mobilité, donc forcément. Ben, on attend qui? On attend le connard qui nous sert de camarade. Hashtag MM70. Ya, je suis présent. Vous m'attendez, mon général? Ah, y'a, j'en profite, mon père est pas là. J'ai feu clé dans la maison. La grand-mère, elle dort, j'ai même fou. Pardon, j'ai boire. Je sais pas pourquoi, l'accent allemand m'est venu comme ça. Ah, y'a un fou, le général, hein. Je comprends pas. Hein. Et puis le pire, c'est qu'un fou rigolait. Donc, moi, trouver ça drôle. Pardon. Son petit moment de folie. Je ne comprends pas, chef. Bonjour. Au revoir, monsieur. Et le pire, c'est que c'est pas frais de s'arrêter, y'a. Mais le pire, c'est que. Faire cet accent-là, le pire, c'est que ça fait penser à Astérix et Obélix. Oui, j'ai pensé à ça. Ah, y'a. Comme ça, encore. Bah ça me fait penser à quel ça ouais. C'est dans les 12 ans ça. Oui. 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 Le meilleur film qui est. Y'a, y'a, faut m'aller vaincu. Y'a, j'ai perdu. C'est foutu, j'ai l'accent comme ça, faut toute la soirée. Je ne peux plus arrêter. C'est tout une torture. Bon, il y a pas de faire le l'imbécile là, tu veux pas non. Je suis pas mis, pour souffrir, ok. Y'a, tu vas faire pour souffrir. Tu finis ta partie bientôt ou... Non mais c'est ton cours, y'a, je gagne. Oui, on est à la moitié. Oh. Je fais accélérer la cadence allemande. Y'a. Dit-il avec son T-34. Que ta merde. Ouais, je suis quand même devant My toi. My mother, elle est russe. And his name is John Cena. Non, c'est quoi ça? Comment on course, mec? On l'a perdu. Pardon, le jeu m'a légèrement monté au cerveau. Ça va. Je m'envoie, les gars, c'est bon. Non, non, t'es gueule, toi. J'ai l'action en chute. Ta gueule. Bien se passer les gars, ça va bien. J'ai hâte de mouler ça. Ah, bien tirer les gars. Et le pire, si je continue à jouer normalement. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Ah oui, j'ai plus. Eh mec, c'est ce que tu me fais penser quand tu parles comme ça. Nine.
Accorde nous quand il imite Angela Merkel ou quoi. Non. La gueule. Ah, il est charmé. Ce qui est le meilleur, c'est que là j'ai tout dans la boîte. Comment ça? Il a enregistré, putain. Marine, pour le faible. Ah voilà, le code réellement, on enregistre. On va envoyer tout ça à Marine Le Pen, elle va être contente. Oh, je vais être embauché. Oh, il va alors là. On enregistre les conneries allemandes, par contre, quand on parle de squatter le petit chat sur le nez, il n'y a plus personne. Voilà, et ben dans tout le sérieux du monde, j'ai quand même réussi à déboîter 12 becs. Voilà les mecs. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Qui c'est qui a dit ça? C'est un génie. Je voulais te suivre au niveau kill, mais ouais, tu m'as battu. Mec, tu ouais, donc... ouais, moi aussi je voulais te suivre, mais. Ah putain. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit. 6-7, bonne nuit. Non, 6-7, je suis désolé, mais. Non, mais t'es une merde, pas de soucis, t'inquiète. Non mais ça va rien m'apporter. Non 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 mais mec. Mais oui c'est clair. Tu nous lâches, y'a pas de soucis, je veux dire, elle est pas bon, t'as... Voilà. Que ça je fait du bien de rire. Eh bonne nuit. Non, y'a pas de nuit. Ah on en a perdu deux. Oh merde. Ah ouais. Là je suis en train de pimper mon BTR gros. User disconnected ouais. From your channel. Pimp my tank. Non non mais écoute mec, t'es pas obligé de répéter ce que je dis par contre. Mais en fait, c'est surtout que tu comprends pas qu'il le pimp pour que Black atterrisse dessus. C'est pour oui. Qu'il nous voit mieux. Quand tu sais, je suis en train de bipper mon BTR. Hein, Black, c'est ça. Ah, c'est un peu ça. Parce que tu l'as dit. C'est Bref qui rigole là, non? J'ai cru que c'était moi, mais non. Non, parce que personne a vu la vidéo du type, c'est une écrase urbaine. Moi aussi, j'étais là. Moi dans la France il va se pisser dessus. Djib. C'est quoi ça? C'est quand même pas ce que je pense. C'est un petit quelque chose ça aussi. On vous donne de ou pas là? Ouais. Putain je mets mon canon. C'est vrai. Non, je ne crois pas que ce soit moi. C'est pas moi, j'ai pas rigolé comme ça ce soir là. Ah nous ça fait un problème. Bref, tu peux lancer. Attends deux secondes. Peu. Gzia. Tu choues les salements. Ah non, tu choues pas les salements. Merde, attends, comment je pourrais faire là, l'accent allemand, l'accent américain, là j'ai un problème. Je suis trop parti sur l'allemand, j'arriverai pas à faire l'américain tout de suite. Bah l'américain, tu mets la moitié des mots en anglais et ça devrait le faire. Non mais tu bouges ton nez et tu mâches un chewing-gum, ça devrait aller. C'est pas, pas de chewing-gum. Bah trouve quelque chose à mâcher, je sais pas moi. Un truc entre les jambes, quoi? Du coup... Hein? Comment? 3, 4, 5, 8, 9, hein? 12. 11 40 42 20 fenêtre fromage parapluie cuisine ok lâchez-vous chenille camoulox. Gaston et vilain Teamspeak là! Ouais, faudrait que je joue russe, j'arrive à faire le russe, mais l'américain, à part péter plus haut que son cul, je vois pas comment faire. On connaît bien les américains. MCTN, I know it. Ok. Là, je me sens seul. Ah, qui c'est qui a une bougie?
Bah, vous aussi, ça fait du bien quand vous avez dit. Baby, don't hurt me. Et dans pas longtemps, Didier va se tromper de bouton et lancer son porno du soir. Pourquoi que du soir? Mais oui, d'abord! Vous d'Amérique, de ta gueule? Putain, mec, c'est la première fois que je one-shot pas un Tiger de hache en tirant dans la tourelle. Ah, voilà, un peu de patriotisme! Ah, 105 mm de pur patriotisme! Ah, c'est parfait! De pure démocratie. Ah oui! Un obus! Un obus! Oh. Ah, le communisme ne m'atteint pas! Je suis américain! Très pourriture communiste! Est-ce qu'il a peur? Pourriture communiste! Merde, tu es reparti sur l'allemand! Saloperie! C'est le plus facile à faire aussi! C'est pas si évident que ça. Ah bah je comprends pas, je trouve ça évident. Ouais, c'est ici ce qui me tire dessus. Nous avons pris l'initiative. Ouais, ouais. Alors le T-54 il a pas son réglage de tir là-bas. Fais gaffe, t'as une S6, tu recules trop. Oh, les billes, hein. J'ai peur. Oh, c'est l'émotion, quoi. C'est le T-44, 40 qui m'a tué. Mayday, mayday, I'm going down. Adore, pas le souverain. J'ai oublié la marche arrière du M36. Voilà. Les petites salopes, quand tu fais pour me tirer dessus pendant que j'étais en avion? Coquille de va. Non, y'a pas, j'essaie à peu près tout ce que je peux dans ma tête pour faire l'accent américain, donc pas possible. La France française, monsieur. Pardon. Yeah. Faut la marinière, le béret, moustache et la baguette. Ok. Et surtout le morceau de fromage. Un jour je ferai ça et je me baladerai en dodoche. Et surtout n'oublie pas le fromage. C'est comme ça que nous voit les Anglais. Avec le fromage. J'allais me chercher des pimps. Crétin de bouffeur. Le bouffeur gelé à la con. Un black. Ouais, grave. Bouffeur de gelé à la con. Un char sur lequel je peux m'écraser? Absolument pas. Oh, Dicker Max. Là. Faut que tu tires avec tes canons aussi. Hein. J'ai pas de canon. Sors de ton côté et tire avec ton pistolet, je sais pas, fais quelque chose. Enfin, me dire que j'ai pas tué le char. Ça me rend insuffisant. Bah, ça dépend si tu lui fonces dessus par l'avant ou par l'arrière. Rien. Oh putain, le centurion! Un centurion? Carrément! J'aurais préféré que ce soit un décurion, tu vois, mais c'est un centurion alors. Je
pas compris la blague. Centurion, des bah, Centurion, c'est un grade romain. Et Décurion aussi. T'as jamais lu Astérix, toi, hein? Je fais pas de commentaires. Ah, d'accord. Je vais me télécharger. Je sais ce que je regarde ce soir. Les 12 travaux d'Astérix. Astérix. Le centurion, je le perce ni au bas de caisse, ni à la caisse, ni au bas de la tourelle, ni sur le côté de la tourelle. D'accord. Mais bah, on a compris, tu le pénètres pas, écoute. Mais c'est un 5-7 pourtant, je crois, non? Le centurion MK. Un char anglais. Je sais pas, mais en tout cas, putain, qu'est-ce qui est bien blindé. Et les trucs, ils sont. Tu sais, ils tournotaient et elle a gelé, elle a jelly, donc bon. Avec ma canette de coca que je lui ai balancée à travers la tronche, je l'ai même pas tué. Il va te regarder, il va t'apprendre les bonnes manières. Et à chaque fois que je cause, à chaque fois t'as l'allemand qui devant moi qui fait ya. Dans ta gueule, mon pote. Tu l'as pris dans la poire, le doux. Et tu vises, hein. Tu me vises, c'est ça. On peut être amis. Entre chars complètement abusés, on peut être amis. Oh oui, Waffenträger. Oh, il va s'en prendre une. Waffenträger. Non, Waffen. Mais y'a... Qui c'est qui a fait avancer le DDC, s'il m'a tiré dessus, maintenant? Oui, c'est court. Pourquoi mes copains, vous êtes vachement loin? Waffen. Ouais, je sais pas, je dis... Non, c'est Waffen. Mais Waffen, c'est mignon aussi. Non. Non, c'est de la merde. Mais Waffen, ça veut dire arme. Le nom, je le propose, je le prononce comment, qu'est-ce que je veux. J'adore ce truc. J'ai envie de jouer à Skyrim, rien que pour ça. Arriver dans les passants et puis faire oui. Rock Black, t'as mangé un IS-6. Ouais. C'était bon? Quelle sauce? Non, bah bof. Ça reste sur l'estomac, hein. Ouais, vraiment. Ouais. C'est plutôt lourd à digérer en même temps. Ah, je me souviens encore quand j'ai tué mon premier IS-6. Ah, champagne. Ah oui, bah alors là. Oh, quand je l'ai tué, mais... Possible, putain, il est pas invincible. Ouais. C'est Dib qui est en train de faire la compilation de toutes ces touches, tu sais. Mais il est en mode A, Z, E, R, D, Y. Excellent. Il veut la faire ta gueule. Personne d'autre pour du 5-7 avec nous. T'as, il est passé de travers, celui-là. Il est 5-7 de travers, hein, c'est ça? Ouais, du 5-7. Donc Didib, apparemment. Didib, vendeur de jacuzzi depuis 1980. Didib, je te vois pas en jeu. Mange-toi le fion. Ouais, viens de se connecter. Putain, j'ai plein de nations à monter en 5-7. Je joue la seule nation que j'ai pas besoin de monter. Alerte au fils de pute de niveau 4. Valek. Wouhouhou. Yeah, baby.
Ils sont vachement plus nombreux que nous, là. Bah ouais. Bon ben je me cache un IS-6 et un IS-3 pour voir un autre IS-6 et un autre IS-3. Et qu'un T-44 sans boune sur moi. Le caca commence à être liquide là, hein, je tiens à le dire. Voilà. Bien allez, évidemment. Bien évidemment. Allez, vas-y, tire-moi dessus. Not meet uns. Ils viennent tous au but, mec. Ta mère la pute, là. Putain, mais ils me rend ouf, ce jeu, quoi. Quel est-il ? Ah, minime. Putain, ta gueule. T'es tué. Même nous, on l'a entendu. Normal, là, il l'a réglé en mode vibromasseur. Ah, tu l'as, le ERAT d'Inib. L'ERZAT, ça. Ouais, ah, ils sont à côté de nous. Bah oui, oui. Non, tu peux pas le louer. Mais c'est pas possible. Oui, oui. Et son taxi. Comment ça arrive? Oui. Comment ça tu le loues? Je comprends pas. Je veux pas le louer. Ta gueule. Non, je veux une preuve, Didi. Bah, elle était fortement douloureuse, cette partie. Non, moi j'ai vraiment adoré, mec. Elle avait bien commencé pourtant. Ouais, et puis t'as mec les mêmes qui sont allés chercher jusqu'au point. Moi j'adorais vraiment. Tout ce qui est de long et dur, moi je vous ai dit j'adore. C'est quand même simple, quoi. Ouais, j'adore vraiment. Un certain bonheur, les gars. Putain. Bon, mais toi après d'ailleurs, je commence à être en manque. Mais où ? Il y a un arbre. Oui, j'avais remarqué aussi. Putain. Oh. Oui, il faut bien le dire. Putain d'arbre. Merci. Je me suis pris l'arbre, je me suis fait bon bah je vais reculer. Je vais être ma français dans le cul, je me suis fait. Ah. Attends, il y a même quelqu'un qui a pensé à dire où c'est qu'on va. Là, t'as vu? Ouais. Ouais, comme d'hab, on est trempé ou quoi? Exactement. Oh bah oui. Allez, d'accord, un loot. Il y a nous trois, il y a un mec. Super. Ouais, non, un quart de mec, hein. Avec ton tigre, c'est à 7,62, tu le tues, ce truc, hein. Pas ce que c'est. Ouais. M56 Scorpion. Ah, d'accord. Le seul chat est de pouvoir entièrement tuer à la coxiale de 7,62. Voilà. Ou 5,56, je ne sais plus, on a quoi. Coxiale, c'est quoi les plus petits calibres? Parce que moi, j'ai que de la 12,7 dessus. 62. 7,5. Ouais. Pareil de la 7 quoi. 22 LR, nous, d'accord, t'as raccordé. Je me suis fait péter évidemment. Oh Dieu. Du 22 long rail, ça le tue. Hein. Mmh. Il est où l'autre con hein? Et j'ai perdu l'ennemi qui était censé arriver. Je le vois plus tous la map.
Il est là sur le côté, mais... C'est super sympa ça, tu mets 15 ans pour arriver sur le point et puis tu as même pas rejoint, t'es mort. Prends un vieux tir de merde sur le flanc là. C'est quoi comme char? Le Panthère. Non, pas toi. On est pas dans la même game. Oh, j'étais en train de me plaindre à propos du Panthère. Black, non, j'y arrive. Oh, je veux faire. Si, j'y arrive, regarde. Wow, mon char il fait la toupie. Je perce plus les tigreux maintenant, c'est hallucinant. Avec quel char? Bah, RL44. Ça c'est bizarre ça. 193 mm de peine à 10 mètres, donc ouais, si normalement tu te fais dans le easy. Ah, enfin! Oh, Agnès 2. Je l'ai vu, il est où? Mort. Oh! Ah, mais dans une partie. Je l'ai mis 6-3. À travers le mur et tout, mais j'ai rien respecté. Hein. Non, 6-0. Putain, 6-3. Et je vais faire les membres d'équipage un par un ou quoi? Et voilà. Wow, un T28! Bah ouais, il est de face. Je comprends pas le T28? Ouh! La mistre qu'il vient de prendre! Oh, paf! Merci, parce qu'il allait me tuer. Ah, merci à toi d'avoir fait diversion. Hein. Oh, ce que je lui ai mis, quoi. Ah, le mec, j'espère qu'il est content d'avoir sorti un char premium aussi inutile. Celui qui avait le M4. Je vais mourir. Tiens à toi. Pourquoi? Ah non. Mais du temps, Charbois, ils sont capturés, c'est bon. Des merdes. Au bloc, il se démerde aussi. Mais je sais pas en fait. Tout seul, hein? Reste tout seul. Oh, je suis plus tout seul là. Allo, tiens un mec. Il y a trois mecs. Bah, t'en soustrais deux, il y en aura plus qu'un. Hein. Ah ouais, mais bon, j'ai plus de tireur, j'ai plus rien. Mais non. Mais non. Ah, on est sur classé. Papa. J'ai pas vu. Le T32, il m'attendait comme une grosse salope. Oh, BT, un T44, tu m'as buté. Ah, mais montre-moi cette butte, toi. Merde. Putain. Allez, putain de merde. T-42, vous êtes chez vous êtes passé à côté, vous l'avez même pas vu. Mais j'y voyais rien, mec. Je jure, j'ai tout. Que dalle. Bien sûr, c'est le seul char qui fait pas que je croise en face à face, qui fait pas que je croise, c'est un putain de D6, ta mère la pute. Ouais, c'était un T32 qui attendait comme une grosse salope, il m'a présenté ses tarifs, je suis parti. Mais attendez, vous êtes tous les deux morts ou quoi? Oui. Ah oui. Alors, on fait pas les choses à moitié, tu sais, hein, personnellement. Autant mourir pour de vrai, hein. Point A. Un détail. Je capte. Ah non, l'IS6 il est parti où en fait? Oh, fromage, tartiflette, raclette. Enfin, je commence à faire un massacre avec ce char. Mais Bebe, il y a du monde vers toi. Hein. Je sais! Il faut pas le dire! Derrière toi! Y'a un T44 qui arrive derrière toi, y'a un M6A! Non, il faut. Avance! Fuck! Et t'es où, mes renforts? Allez copain, vous étiez où? Putain, il faut que je loupe un panthère de flanc, oh, merde! Ah! Et je rebosse plutôt passer d'un soutien au sol. On est passé en stock. L'aérien, c'est un poil long en fait. Il y a tellement le temps,
tellement longtemps que le temps qu'il revienne, j'ai eu le temps de le doubler, quoi. C'est quoi le loup? Bah genre ça me tue, ça, genre un ISU ça one shot en T44 de face, mec. Ah bah oui, bah trop le coup, ça travers la tourelle, c'est un train dans le bas de caisse. Merci, excellent. Et pourquoi pas? Quand je suis en train de prendre grave cher là sur le point. Salope. Goodbye. Merde, 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 de flanc. Là en face il y a l'IS2 et ici il y a un char moyen. Je m'occupe de l'IS2 s'il arrive. Mofi a tiré. Bonjour Panzer 3L, t'es sûr que tu veux venir vers moi? Fâche. D'accord, ok. Alors le KV2. Oui, si vous voulez. Me couche. Je viens de sauver le pote. Il m'en doit une. Oh, c'est quoi le char en face, en front? J'ai pas aucune chance. Ah ouais. Wow. Putain, il est K94, c'est vraiment de la merde. Je boune sur le sur le cul d'un MV4002. L'obus perd toute sa pénétration, j'arrive même pas à pénétrer le cul de tourelle d'un MV4202. Et même pas s'il y a 5 et il y a 100 mm de blindage. Là, je suis trompé d'avion. J'ai été chier d'aller tuer le T32 là, puis j'en dois une. T'as pas l'impression de beaucoup avancer avec ton Ferdinand toi? Bah je suis planqué hein. Oh le seul que... Ouais voilà, t'as le char lourd et puis l'autre médium il est... L'autre char c'est un médium, il est au... comment dire... Il est au spawn, il bouge pas. Ouais ouais bon, c'est... Tant que je me fais pas prendre de flanc, ça me dérange pas. Rigole. Merde, il m'a vu. Il a un sabre? Ah, c'est toi. Ah, je me dis ce que c'est. Je prends une rafale. Je prends une rafale, je meurs. Pendant 2 secondes, je fais. Je crois qu'il y a un T34 qui chie. Bah attends, je passe au-dessus d'un T34, il y a une 12-7. J'entends sa 12-7 qui fait. Ouais, on a pas les mêmes 12-7, hein. Bon bah les gars, moi je vais me coucher. Ça marche. Et... Oh. C'était une bonne soirée. À voir. Ok, à plus. User disconnected from your channel. Oh là. Bonjour. Connard. Ah ouais, 1015. J'ai encore des comptes à régler, je sais pas pourquoi. Ils m'ont rien fait, mais j'ai envie de les tuer. Oh, c'est Ina cool. Qui va sortir. Back. Ouais. Regarde dans quel sens c'est. Ah, Tiger. Ah, pour l'instant, il veut pas sortir. Bah, si, je te jure qu'il va sortir, j'ai tiré. Merde. D'abord. Putain, j'en ai un de flanc et l'autre de... Je suis décédé pour de bon. Non. Je joue un peu trop greedy en ce moment.
sais pas, à force que je me casse les couilles, en fait, je joue comme une grosse merde, j'avance, je tire, je réfléchis même pas. Et tu vois, là, j'ai vu Liek Tiger, j'aurais jamais dû tirer dessus, et jamais. J'avais pas l'angle, j'avais rien du tout, j'ai juste fait troll bull, j'avais qu'il aim rush, j'ai quand même tiré. Oh là, mais le mec il avait le T34 de flanc, il a pas tiré quoi. Tu vas te faire déboîter par l'IA Tiger, mon pote, allez voilà. Mange ta maman. Et les gars, va falloir faire quelque chose, qu'il reste un. Il reste un IA Tiger à un T34, ils veulent pas crever. Un T92 aussi, ils veulent pas crever et ils vont nous baiser. T92, c'est pour moi, il bougera plus. Oh, le fils de pute, il m'a eu. Je lui ai fait tireur en charge. Et il arrive quand même à tirer. Fantastique. Alors, un pauvre petit T26-1, il va se faire... Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme moi, il a pré-shot comme une grosse merde. Ils sont où tous ces chars qui nous résistent là? B. Tous? Bah. Sauf le T92. Voir ce que fait le B57, mais. J'ai un doute, il a largué les bombes comme une grosse merde. Bon, je trouve que j'arrête pas. Ah non, c'est bon. Je crois qu'il les a fait les deux. Ouais, par contre, mauvaise nouvelle. Voilà, le T34 et le IA Tiger peuvent respawn. Ben, t'as un char léger qui arrive vers toi. Je sais. Et les deux autres, je vais les bomber. Coller l'un à l'autre. Essaye de bien bomber avant, hein, par rapport au délai de bombe qui a vu que tu te rapproches du sol. Ben ouais, mais là, je t'avoue que ça va être un peu compliqué. C'est la mort, non? J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis pas sûr d'en péter un. Hein. Non, t'en pèteras aucun. Bah, par contre, il y en a un qui a pris cher. Arrête, mec! Bon, bah, je vais mourir. Il va pas tirer l'autre avant, quand même, putain. Là où on a gagné. J'allais m'occuper du T26 par derrière, mais j'ai pris un pelot T92 dans la nuit avant. Ouais. Alors que je joue un peu moins offensif. Bon, moi je vous laisse les gars. Ouais, moi aussi je vais aller. Pas de le lit à quelqu'un, on va en faire une dernière. Ouais. T'as vous avez déjà oublié quoi? Bah j'ai cours demain. Oh là. Ouais, je sais, c'est pas fameux. Bon allez. Hop. Bonne. Yes! Tu te mets prêt, Black? Pardon. Oh, c'est hey, bon, toi! Ok, salut, bonne nuit, à bientôt! Salut, bonne nuit, à bientôt! User disconnected from your channel. Je vais pouvoir passer en 6-0, c'est bon ça! AMX-M4? AMX-13, AMX-M4 et le Loren. Alors, le CA Loren, t'attends pas à quelque chose de grandiose, hein? Une bonne mobilité, mais son canon et son blindage sont pourris. Enfin, le gars de canon est bien, mais le reload est nul. Le blindage est inexistant. La MX-4, le problème, c'est que t'attends pas non plus à quelque chose d'ultra grandiose, parce que bah c'est le même canon de 90 que le RL-44. La MX-13, par contre, est un peu mieux.
Là où c'est que ça commence à devenir bien, c'est 6.3 le Lorraine 40T. C'est, bref, c'est du français, quoi. Bah non, c'est surtout que c'est des chars où c'est que tu commences à sentir qu'il y a des trucs français, que ça commence à être un peu mieux que la RL 44, que tu sais, que des montages un peu dégueulasses, type RL 44, M4 à 450. Tu sens qu'ils ont développé leur propre char, mais que c'est encore un peu des chars un peu bancal. Par contre, le Lorraine 40T, ça. Ouais. Si t'aimes bien les chars qui sont mobiles à mourir avec une bonne cadence de tir. Après, c'est surtout que les Français, c'est un type de gameplay à voir. Hein. Ils sont mieux que les Anglais. Ah oui, complètement. Après, le M4A4, personnellement, à la MX M4, son avantage, sa mobilité. Et le 2 automatique qui recharge plus rapidement que la RL 44. T'as pas l'impression de faire chier, toi? Parce que je crois que... Je crois que j'ai... Je suis pas sûr, mais je j'ai pas une connerie, la RL 44 a un autoloader. Non. Mais j'ai l'impression que c'est toujours été 10 secondes tout le temps. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, Brebs. Je sais pas, moi, je vois pas. Que même quand t'as la demande d'équipage, en fait, le char recharge toujours aussi vite. Oui, oui, ça par contre, j'ai remarqué, oui. Et ben en fait, parce qu'apparemment, il serait sur autoloader le truc. Ah bon? Ouais, un autoloader vieille génération et tout. Comment dire, basique. Mais un autoloader, quoi. Un gros con tigre de hache, quoi. Ça prend. C'est gros, ça prend toute la place, quoi. Et ça me fait bouger quand je tire. Ah, et ça va aller, hein? Casse-toi, là. Dégage. On a dit dégage. Les grandes personnes causent. Va-t'en. Aïe. Fais gaffe aux rues là-haut. Ouais. Le problème, c'est que tu m'as fait le canon. Ah, mais t'es. Je me suis fait péter une chenille par qui, je sais pas, mais. Ah, c'est le RU. Il joue à la hèche. Donc, il va se démerder pour te casser. Ça va. Sur ces chars-là, c'est malheureusement inutile. Enfin. Heureusement pour nous et malheureusement pour lui, c'est inutile. Oh, ouais. Chose la plus logique au monde. Ah merde, putain, je reprends ma réparation jusqu'au bout. Bouge plus. Au but 105 de T29 sur un RE 251. Je m'en range la culasse. N'empêche, il a de la gueule. De quoi? Le Lorraine 40. Le Lorraine. Ah bah c'est une pure saloperie. C'est la plus grosse salope. T'as vu la vitesse qu'il a? Je sais pas si tu peux le tester. Bah je l'ai acheté là donc. Ah tu verrais franchement. Le truc 66 km en marche avant. 25 en marche arrière. De 100 mm français, par contre, c'est un pur bonheur à ce BR-là. C'est des AP, c'est des simples AP, c'est-à-dire que c'est qu'un obus qui fait que pénétrer, il éclate pas. Mais alors, les éclats qu'il fait. Il est touché. Avec l'obus, c'est compliqué pour les mecs de jouer en face. Ouais. Wow, un IS2.
Ouais, bon. Bah, tu sais, on est bien là. Donc tu peux peut-être aller l'encaisser. Oh, je te l'ai. Ouais, quoique. T'as essayé de le rater, je le rate pas. Oh. Tu devrais pas rester tant que ça en frontal en fait, Black. N'hésite pas, tu l'es. T'es en train de prendre ma visée en fait. Déjà, stock 50 km arrière, c'est cool. Ah ouais, puis t'as testé la marche arrière, stock? Pas encore. Alors, un conseil que je vais te donner pour les pour la marche arrière, avec la RL40, avec le Lorraine, ne tourne pas trop au départ en fait. Laisse-la accélérer un peu. C'est ce que je veux dire. C'est déjà ce que je fais naturellement. Ah, parce que si tu tournes, malheureusement, elle a du mal à démarrer. Mais par contre, tu vois la marche arrière que ça, quoi. Putain, c'est clair. Alors, imagine ça en ville, parce que Gaijin a la fonction. Tu connais Gaijin a la fonction habilité route. Et entre route et comment dire et tout terrain, la mobilité est différente. Imagine ça sur des maps dans la ville. Tip top caviar. Le truc fait pouf. Voilà, doucette ce truc là. Pardon. Non, c'est pas te. Si c'était toi. Oh, je me mets en face de son canon, rien à foutre. Au revoir. Oui. Bah pour moi le Lorraine 40T bref est le meilleur char moyen en 6.3 6.7, le meilleur, parce que bah les Panthères sont en 6.0 et ils ont pas de marche arrière. Recule hein, t'as un caillou qui te bloque quelque part hein. Ouais, voilà. Je parle de l'anti-char hein, moi. Ah, du SA Lorraine. Oui. Ah mais ça rejoint plus ou moins ce que tu disais. Bah t'as vu le temps de reload malheureusement pour 100 mm. Malheureusement oui, c'est un peu long. Alors toi, à cause de toi, le léoparin il est mort. Oui c'est pas grave, on s'en fout. J'aurais pu mourir aussi. Non, dans le cul par contre. Ouais bah écoute, profite de la fumigène, retourne-toi. Vas-y. N'empêche, il fait face au Tigre 2 sans trop de problème. Ah bah oui, bête, t'as le 100. T'as le 100 mm du... T'as le 100 mm français, il fait face à tous les chars sans problème avec son canon. Oh, je tire au pif. Par contre, ils sont nombreux derrière. T'as encore des fumis, je dis pas non, Black. J'en ai plus, je recharge, je vais essayer de les prendre par le haut. Non, t'y arriveras pas, Black, comment dire, c'est trop loin, il y a des chars après, donc faut. Tu n'aurais jamais dû te retourner comme ça. Il est touché. Oh, je te l'ai cueilli un par un. Fais gaffe à la SU-85, hein. Ouf. Oui, il a boons. Ah, j'ai boons sur le canard Venom. J'ai plus de moteur, j'ai plus rien. Mais répare, à la rigueur, répare. Hein. Répare ici, hein. Je vais t'aider à réparer. Hein. On a un qui arrive derrière. Est-ce qu'on a un char? Est-ce que le char nous défend? Pas du tout. Merde. Pense non. Oh non. L'extincteur qui est en cours des. Que l'extincteur est en train de s'éteindre et. Enfin le feu est en train d'utiliser l'extincteur et là le feu a fait. Non, non, je continue à te brûler. Tu meurs. Oh. Le bâtard. Mais c'est vrai que pour revenir sur le SA Lorraine, moi ce que j'aimerais bien, c'est que le jeu lui donne un meilleur temps de reload.
C'est clair que c'est un peu long. Parce que normalement, il est censé avoir deux chargeurs aussi, je crois. Oui. Non ? Ouais. Voilà. Toi, deux chargeurs, tu recharges en combien avec un équipage ? Bah, avec un bon équipage ? On va dire 15 secondes à peu près. Ouais, 15 secondes pour un 100 mm. Mmh. C'est moyen, hein. Putain, ouais, bah, je sais pas si t'as vu, mais en même temps, les mecs, ils se présentent un par un. Ils se présentent un par un. S'ils avaient tous rushé en même temps, ça aurait pas été la même. Ah bah non, il m'aurait baisé, enfin il nous aurait baisé quoi. Une éternité. Oh, on refait une. Bon, mais je suis en train de rechercher le tigre de hache. Il faut bien. Hein. Bah ouais. Hein. Bon, moi je vais arrêter là. Ok.